Regarde maman. Bonjour. Elle a des tas de choses à faire, maman. Nous, on va s'amuser. On doit rester bien conscient qu'on ne sera jamais leurs parents et qu'on ne sera, on sera toujours quelqu'un qui compte beaucoup pour eux, mais on ne peut pas être leur deuxième maman. Ils n'en ont qu'une et c'est leur maman. Axel et Mathis, oui. On va pas chercher une Léa. Non, ils mangent à la cantine, Aurélien. J'ai eu toujours des enfants dans mon entourage. J'aime leur leur présence et j'aime être avec eux. Et donc, c'est naturellement que je me suis tournée vers ce métier qui me permet d'être disponible à la fois pour mes enfants et pour les enfants que j'accueille. D'abord moi. À moi d'abord. De la patience avant tout. Parce qu'avec les enfants, il en faut. Aimer le contact des enfants, c'est certain. Quelque part, être resté peut-être une grande enfant aussi. Parce qu'on passe beaucoup de temps à quatre pattes à jouer avec eux et à, se... et à jouer comme des enfants. Elles sont pour tout le monde, les voitures. D'accord ? Non, non, pas à toi, à tout le monde. Hein ? Vous pouvez jouer. Il y a une procédure d'agrémence, ce qui s'appelle. Donc on contacte notre conseil général qui diligente des visites à notre domicile avec des puéricultrices ou des assistantes sociales. Et si notre, nous-mêmes et notre domicile sommes jugés compatibles avec ce métier, on va effectivement faire des formations. Alors ce sont des stages, pas pratiques, mais des stages théoriques. Bam ! Comment ça, bam ? Ah, on est en train de perdre ses chaussons ? Les parents nous déclarent au niveau de la CAF, ou du centre page emploi maintenant, et puis une partie de l'administratif est pris en charge de ce côté-là. Nous continuons à négocier nos contrats, donc nous avons toute la partie signature de contrat que nous mettons nous-mêmes en place. En général, on demande aussi nos fiches de paye, et on a donc cette partie-là aussi que les parents doivent gérer pour nous, normalement, comme tout employeur. Participer à leur jeu, à leur rire. Ce sont de très très bons moments. Au revoir. Au revoir.